Si tu veux nous soutenir, abonne-toi, partage nos vidéos, mets-nous des petits pouces, des petits commentaires. Merci beaucoup! Bonjour et merci d'avoir choisi cette nouvelle séance. Cette séance est inspirée par le yoga nidra, que l'on appelle aussi le yoga du rêve éveillé. Elle a pour but de détendre les tensions musculaires et également elle peut vous aider à vous endormir très rapidement. Elle permet aussi de calmer instantanément les crises d'angoisse. Pour la pratiquer, je vous conseille de porter un casque audio, de couper les notifications du téléphone et de demander à vos proches de ne pas vous déranger pour ce temps que vous octroyez pour vous. Pour tous ceux qui nous connaissent, merci pour tous les commentaires et tous les pouces que vous nous mettez sur YouTube, cela nous aide énormément. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner sur YouTube ainsi que sur la petite cloche pour être tenu informé dès que nous sortons une nouvelle vidéo avec Sophie. Je vais vous laisser vous préparer et vous installer confortablement. Sur le dos ou assis, suivant l'effet que vous voulez que cette séance vous apporte. Je vous invite également pendant cette séance à prendre conscience de votre respiration et sans la forcer, d'observer l'air qui rentre dans votre corps et l'air qui en sort. Et à chaque inspiration, vous pouvez imaginer la vie qui rentre en vous. Et à chaque expiration, imaginez les tensions qui s'échappent déjà de votre corps. Laissez-la aller naturellement, juste observez-la. Pendant cette séance, vous entendrez régulièrement le mot claque. Et lorsque vous l'entendrez, vous imaginerez vos tensions musculaires instantanément se défaire, se dénouer, se relâcher. Claque. C'est très simple, laissez-vous simplement guider par ma voix. Et alors que vous êtes là, allongé ou assis, tranquillement à respirer et déjà à prendre du temps pour vous, à vous détendre, vous écoutez le son de ma voix et déjà vous vous relâchez. Déjà les tensions commencent à s'en aller, tranquillement, doucement, simplement et naturellement. Je vais vous demander maintenant de porter votre attention sur le haut de votre tête, plus particulièrement sur le cuir chevelu ainsi que sur votre front. Et imaginez tous ces petits muscles, ces tout petits muscles qui permettent de crisper le front. Ressentez-les et instantanément, clac, détendez-les. Voilà.
Maintenant, imaginez vos petits muscles autour de vos yeux, autour des paupières. Clac. Également au niveau de vos tempes. Clac. Et tous ces petits muscles au niveau de vos joues, sur le pourtour de votre nez, et même sur votre nez. Clac. Portez votre attention au niveau de votre bouche, de vos lèvres, de votre langue même. Et ressentez tous ces petits muscles également que vous pouvez détendre instantanément. Clac. Portez votre attention au niveau de votre mâchoire. Souvent crispé, et permettez-lui de se détendre à chaque claque. Clac. Et même vos oreilles et la zone autour de vos oreilles, instantanément. Clac. Voilà. Continuez de porter votre attention dans le même temps sur votre respiration qui va et qui vient naturellement. Peut-être se fait-elle de plus en plus ample, de plus en plus douce, de plus en plus calme. Portez votre attention sur le devant de votre cou. Clac. Et sur l'arrière de votre cou maintenant, au niveau des cervicales. Cervicales souvent tendues par le stress. Permettez à vos cervicales, chaque cervicale, de se détendre. Et de relâcher les tensions instantanément à chaque claque. Clac. Voilà. Et maintenant, portez votre attention sur votre épaule gauche, elle aussi souvent tendue, douloureuse. Imaginez chaque muscle, chaque tendon, et permettez-leur de se détendre instantanément à chaque claque. Clac. Portez maintenant votre attention sur votre bras gauche,
le haut de votre bras d'abord. Clac. Puis votre avant-bras et le coude. Clac. Portez votre attention sur le poignet de votre main gauche. Clac. Et sur votre main, en commençant par le pouce. Clac. Puis sur le doigt à côté. Clac. Sur le doigt du milieu maintenant. Clac. Sur l'avant-dernier doigt de la main gauche. Clac. Et sur le petit doigt de la main gauche. Inspirez bien et expirez. Continuez de porter votre attention sur votre respiration tout en faisant cet exercice. Exercice qui vous détend. Peut-être ressentez-vous un déséquilibre. À gauche ou à droite, en bas ou en haut. Laissez aller. Portez maintenant votre attention sur votre épaule droite et pensez à tous ces muscles, tous ces tendons. Que vous pouvez détendre instantanément à chaque claque. Clac. Portez votre attention sur votre bras droit et particulièrement sur le haut de votre bras. Clac. Portez votre attention maintenant sur votre avant-bras droit et sur le coude. Clac. Continuez de porter votre attention maintenant sur votre poignet et sur votre main. Clac. Et plus particulièrement sur le pouce de la main droite. Clac. Et sur le doigt d'à côté. Clac. Sur le doigt au milieu de votre main droite. Clac. Sur l'avant-dernier doigt.
et sur le petit doigt. Clac. Voilà. Respirez naturellement, en conscience. Ressentez l'air qui rentre et l'air qui sort de vos poumons. Laissez-vous aller. Portez votre attention maintenant sur le haut de votre dos et notamment vos omoplates, elles aussi souvent pleines de tension. Et permettez à chaque petit muscle, chaque petit tendon de se détendre et de se relâcher instantanément. Clac. Insistons un peu sur cette zone, forte en tension. Gardez votre attention. Clac. Clac. Maintenant, vous pouvez porter votre attention sur votre colonne vertébrale et chaque vertèbre. Voilà. Et sur l'entièreté de votre dos. En haut, en bas, à droite, à gauche. Et à chaque inspiration, vous ressentez de plus en moins détendu, de plus en plus relâché. Léger. Clac, clac, clac. Chaque tension de votre dos disparaît instantanément à chaque clac, clac. Clac. Voilà. Portez votre attention maintenant sur votre bassin. De votre ventre, votre bassin à gauche et votre bassin à droite, à gauche, à droite, à gauche. Voyagez et imaginez chaque petit muscle se relâcher instantanément. Clac, clac, clac. Portez votre attention sur votre jambe gauche, plutôt sur la cuisse gauche, le haut de votre jambe, devant, derrière. Clac. Votre attention maintenant sur votre genou. Clac.
portez votre attention sur votre mollet gauche, à l'avant, à l'arrière. Clac. Portez maintenant votre attention sur vos chevilles, votre cheville gauche. Imaginez chaque petit muscle se détend. Clac. Portez maintenant votre attention sur votre pied gauche et sur le pouce du pied. Clac. Sur le doigt à côté du pouce. Clac. Sur le doigt au milieu du pied. Clac. Sur l'avant-dernier doigt. Clac. Et sur le petit doigt de pied gauche. Clac. Votre respiration qui peut être ralentie, s'apaise de plus en plus ample. Portez maintenant votre attention sur votre jambe droite et plus particulièrement sur votre cuisse droite, le haut de votre jambe, devant, derrière, à droite et à gauche. Clac. Portez votre attention sur votre genou droit. Clac. Puis, portez votre attention sur le bas de votre jambe droite, le mollet. À l'avant, à l'arrière, à gauche, à droite. Clac. Oh, voilà. Portez maintenant votre attention sur votre cheville droite,
Imaginez chaque petit muscle de celle-ci se détendre. Clac. Voilà. Portez maintenant votre attention sur votre pied droit. Plus particulièrement sur le pouce du pied droit. Clac. Puis sur le doigt à côté du pouce. Clac. Sur le doigt au milieu de votre pied droit. Clac. Puis sur l'avant-dernier doigt de pied. Clac. Et enfin, sur le petit doigt de pied. Observez votre corps. Observez votre respiration. Laissez-vous aller dans cet état de décontraction totale.
Le cas.